Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur YouTube. On se retrouve pour faire des miniatures. Donc, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire des miniatures personnalisées, en tout cas des miniatures qui vraiment impactent, incitent au clic. Je vais te montrer l'exemple avec donc Pierre Elliott l'Allemand. C'est vraiment celui qui m'a montré vraiment pour faire ces miniatures. On voit sur toutes ses vidéos, il est comme ça, avec donc soit sa tête, il le montre au clic. Il fait des visages choqués, étonnés, il réfléchit, enfin voilà, on voit vraiment sur toutes les vidéos il est comme ça. Voilà, on voit tac 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 tac. Comment on peut faire ça? En fait, on se prend, voilà, il se prend en photo, il détourne sa photo, et après derrière, eh ben, ça va sur Canva, et puis après, ben, montage tout simple, il met bah voilà, une photo de montre, de la marque qui veut vendre, ou la chaîne. Ici, comment vendre rapidement, bah du coup, il se met comme ça. Hop, une petite horloge, un gros titre. Et du coup, ça fait une belle miniature. Moi, c'est ce que je voulais te montrer. Du coup, moi, sur ma chaîne YouTube, qui est là, Business pour tous, pour l'instant, je n'ai pas fait encore de miniature. Donc voilà, donc là, c'est ce que je vais faire. Ce qu'on va faire ensemble, je vais te montrer. Donc, si t'es pas encore abonné, la chaîne elle est dans la description. Je t'invite à t'abonner complètement gratuit. Donc, on va regarder. On va se faire du coup des photos comme ça. Je vais essayer de les récupérer. Attends, comment je vais pouvoir faire ça pour que tu vois en même temps? Je vais récupérer et on va du coup coller les enregistrer les photos et après les récupérer. Ok, donc du coup là, je sors un fichier Paint. Et là, je vais mettre un petit sur le côté. Donc là, l'idée, ça va être me prendre. Attends, je vais le faire, je vais le laisser comme ça. Ça va être enregistrer du coup mes photos. Ouais, ça plutôt, ça est plus intelligent. Ça va être hop. Et mettre ma cam par-dessus là. Voilà. Donc là, je vais faire. C'est ça que je vais faire. Là, je vais faire mes têtes. Je prends en photo et du coup, j'enregistre. Donc là, comme ça, je mets ma cam en gros sur le. Je mets ma cam en gros sur ce que je filme. Et donc là, je peux faire une impression d'écran si je me mets comme ça. Comme ça, je fais un. Hop, impression d'écran. Je vais sur mon fichier Paint. Derrière. Je vais sur mon Paint. Ok, je me suis sur votre fenêtre. Et là, je peux coller ma photo. Ici, je la copie. Hop, nouveau. Et je la colle. Ici, donc, je l'enregistre. Je vais mettre sur mon bureau, n'importe. Je mets choqué, enregistrer. Voilà. Donc là, ma photo choquée, elle a enregistré. Je vais en faire une deuxième. Et puis après, on va regarder un peu comment on va pouvoir les monter. Donc là, je la ferme. Je vais en faire une où je mets. Voilà, je vais faire pareil, je vais faire comme ça. Je vais faire une impression d'écran. Hop, impression d'écran. Je rouvre un paint. Hop, colle. Puis, nouveau. Je colle. Donc elle va s'appeler pensive. Ok, je peux fermer. Bon là, je vais essayer de tout remettre un petit peu comme c'était.
Ok, ça a inversé ma cam, je sais pas pourquoi. Ok, donc là maintenant l'idée, je vais enlever la page Paint, hop. Maintenant l'idée, donc ça va être d'aller, je retourne sur Internet. Voilà, c'est celle-là. Maintenant l'idée, ça va être d'aller sur, je sais jamais comment il s'appelle, je crois que c'est... Maintenant je me rends sur mon ordinateur, je tape enlever le fond d'une image. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo là-dessus. Là, ce site-là, remove.bg. Donc, il me propose d'installer et tout, mais ça, il n'y a pas besoin. Il n'y a même pas besoin de se loguer. Ici, donc, je clique sur télécharger mon image. Je vais chercher ma photo. Je prends ma Choquée. Il l'installe. Et là, j'ai rien fait. Il me l'a toute détourée. Donc soit je la télécharge comme ça, soit je la télécharge comme ça, soit là je peux faire Edit. Après je peux mettre du flou sur mon fond. Je peux changer mon fond si je veux directement. Attends, je vais enlever le flou. Si je veux directement me mettre sur un fond comme ça, je mets le fond. Je peux mettre des herbes. Je peux mettre ça. Enfin voilà. Et moi je vais juste détourer. Comment j'avais fait? Comme ça. Je la télécharge. Voilà, donc là elle est là. Je vais faire la deuxième. Je prends la deuxième. Voilà, deuxième pareil, il me l'a fait nickel. Ici, si jamais ça va pas, je fais Edit, Erase Restore, et donc là, en fait, je peux choisir la taille de mon pinceau. Là, tu vois, ici, il y a un pinceau. Je choisis la taille. Soit Erase, bah, ça va effacer plus. Soit Restore, du coup, bah, je restore. Et si je veux bah, remettre du fond, hop, comme ça, je remets du fond. Voilà. Donc ça c'est pratique aussi. Si jamais ça a mal détouré, on peut faire ça. Là, ça les a super bien fait. Je télécharge. Et voilà, elle est téléchargée. Donc je vais les récupérer. Normalement. Voilà, elles sont là. Hop, hop. Je les prends. Je ferme. Je vais les mettre, du coup, je vais les mettre là, bon là tu vois pas, je les mets sous mon bureau. Donc là c'est marqué, c'est les mêmes mais c'est marqué preview. Donc maintenant l'idée ça va être, quels sont les tourés, je vais aller sur, je tourne sur ma page, je vais aller sur Canva. Je vais sur Canva, mais avant du coup je vais quand même regarder ce que je peux faire comme vidéo avec. J'ai quoi, j'ai pensif. Pensif et choqué. Ouais, ben voilà, par exemple, celle-là. Pi Network. Pi, une arnaque ou un. Celle-là peut être pas mal. Une arnaque, la révolution des cryptos. Celle-là, je peux la faire en pensif. Donc, je vais sur Canva. Créer. Ici, je choisis YouTube. Hop, ça arrive. Là, je télécharge ma photo. Bon, je vais mettre les deux quand je suis là. Pas tout, je vais mettre les deux. Donc là, l'idée, ça va être, je peux la glisser dessus. Soit elle se met en très gros. Ouais, je vais l'enlever quand même. La tour, je la mets là. On pourra la grossir après. Est-ce que j'ai une photo de Pi? Voilà, j'ai une photo de Pi.
Je peux mettre du texte, je peux mettre du fond. Comment je mets un fond là? Template. Non, ici. Mais après, là, je vais pas m'embêter, je vais mettre un fond uni, quoi. Hop. Celui-là, il est pas trop mal. Photo couleur, ouais. Donc là, on peut se faire pi ici. Moi. Comme ça. Un gros texte, on va le mettre en jaune. On pourra changer la police. On met pi network. Arnaque ou révolution. Ici, on va mettre un texte qui pète. On peut changer la police aussi. Je profane. On va trouver un truc un peu mieux. Je vais faire un truc comme ça, un peu comme dans le même pi. Et là, du coup, bon, c'est ultra rapide, hein, mais du coup, en 5 minutes, je fais une, pardon, une miniature qui est quand même un peu plus attirante que ce que j'avais. Donc là, après, je la télécharge en PNG, ouais, d'accord. Là, il me l'a prise. Je vais sur ma vidéo. Alors, attends, je vais aller. Hop. Je vais sur ma chaîne YouTube. J'étais déjà sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de la retrouver. Ça, c'est tout ce qui est programmé. Ici, si je fais détail, là, update, donc là celle-là, si je veux en mettre une, je vais aller dans téléchargement, pi network, un arc ou évolution, save. Et là, ma miniature, elle est faite. Et là, ça a quand même plus de gueule. Ça a été fait en 5 minutes. C'est quand même plus sympa. Le taux d'engagement devrait être quand même meilleur. Voilà. Donc je te dirais ça assez rapidement. Voilà. Donc moi, de mon côté, je vais faire ça pour toutes. Là, on va faire ça tranquillement. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un meilleur commentaire. Et je te retrouve dans le groupe Telegram. Allez, ciao!